Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui en ce dimanche 17 mars 2024. Alors, que faire à Koh Samui pendant vos vacances? La plupart d'entre vous connaissez Koh Samui pour ses plages. Et pourtant, lorsque mes amis viennent ici, je vous garantis que l'on fait beaucoup de choses. Occasionnellement également sur la plage, mais je vous garantis qu'il y a beaucoup d'endroits vraiment très sympas à découvrir. Ça, c'est pour les explorateurs. Alors, regardez cette vidéo et je vous donne quelques astuces pour imaginer des petits circuits ici à Koh Samui. Nous ne sommes même pas partis et déjà, j'ai quelque chose à vous montrer. Regardez cette magnifique fleur. En fait, c'est une liane qui s'accroche à cet arbre, qui finalement lui sert de tuteur. Et alors, elle fleurit là, tout autour de l'arbre. C'est vraiment de toute beauté. C'est pas quelque chose que l'on trouve régulièrement ici. Peut-être qu'on en trouve plus facilement dans la jungle habituellement. Mais vraiment, c'est très beau. Alors, on a décidé aujourd'hui d'aller jusqu'à Mountain Waterfall. Et pour ça, nous allons traverser l'île en passant par ce magnifique jardin que je vous ai déjà montré à différentes reprises. Un jour, je pense que je ferai une vidéo spécialement dédiée à ce jardin tellement c'est beau. Et là, en ce moment, il y a plein de fleurs de lotus. C'est superbe. Voilà, on a un aigle dans le ciel. On a une météo aujourd'hui, et puis en ce moment, en général. Il n'y a pas de vent. Une belle luminosité. Voilà, j'ai revêtu mon chapeau parce que aujourd'hui, sincèrement, ça va taper fort. Regardez un peu ce qui m'entoure. Un lac magnifique. Et voilà. On l'appelle le lac caché. Parce que si vous ne savez pas qu'il existe, vous ne le trouvez jamais. Et pour cause, depuis, ça fait quoi, 3 ans et demi maintenant que je marche, eh bien, il nous a fallu attendre pratiquement près de 3 ans pour le découvrir. Trop beau. Regardez ce lieu. Ça s'appelle Swan Sam Anong. Un lac, un jardin, une maison blanche là-bas qui accueille des hirondelles. Waouh, c'est trop beau. Et oui, je suis toujours en extase quand je vois quelque chose de beau, même si je l'ai déjà vu une dizaine de fois. Je vous fais un 360 degrés parce que vraiment, ça le mérite. Ces gens sont adorables, super accueillants. Ils partagent ce qu'ils ont comme fruits. Ils font une décoration vraiment superbe. Ils ne se contentent pas d'exploiter un jardin, des vergers. Non, non, ils continuent à améliorer, à rendre le lieu de plus en plus beau et de plus en plus accueillant. Et là, ils sont en train de construire une nouvelle route d'accès, vraisemblablement plus facile qu'aujourd'hui. Voilà, vous avez fait un tour complet du propriétaire. Ah, c'est le propriétaire. Regardez encore l'arrière de la maison. Et la propriétaire est ici. Là, il y a un toqué qui chante. Un toqué, c'est un gros lézard qui fait à peu près 25 à 30 cm et qui chante comme ça. Toqué, au moins 6 ou 7 fois. Et là, on a mon ami Khan qui donne à manger aux poissons. Est-ce qu'ils aiment la peau de banane? Oui, on dirait, ça, ils s'approchent. Oh, ah, ils préfèrent ça peut-être. Là, c'est la propriétaire qui leur donne à manger. Ah oui, il y a du monde. Hein. En fait, il y a plein de poissons dans ce lac. Des petits, des gros, des jaunes, des rouges. Et des plus petits... ah bah si, voilà. Il y a des poissons chats aussi, apparemment. J'avoue que quand on arrive là, et en fait, comme on commence à peine à la randonnée, eh ben on va avoir du mal à faire la suite. Parce que c'est super beau. Et on a envie de se poser là, de plus bouger, il n'y a personne. Et au milieu de la nature. Allez, j'arrête, parce que c'est un supplice pour moi aussi. Là, je me suis arrêtée pour vous montrer une catégorie de palmiers. Celui-ci, il est immense. Voilà, il doit faire, je sais pas, au moins, je dirais 25 mètres de haut, au moins.
Voilà, c'est cette variété que j'essaie d'utiliser pour faire une allée dans mon jardin. Et en fait, celui-ci, il a les racines qui trempent dans une petite rivière qui part en cascade. C'est pourquoi il a réussi à être aussi haut. Alors aujourd'hui, on a un tout petit groupe de 6 personnes. Il y a plein de personnes qui sont en voyage ou qui sont reparties chez elles. Donc on n'est pas nombreux. Et la semaine prochaine, Tom et Can s'en vont en Australie pour un très joli voyage. Et Tom m'a confié la gestion du groupe, donc pendant les 6 semaines, je crois, de son voyage, c'est moi qui vais assurer le guidage de ce petit groupe. Alors on risque de ne pas être très nombreux. Alors vous voyez, quand on part vers la gauche, c'est la randonnée qui nous permet de monter autour du radar. C'est une des plus courtes randonnées qu'on fera prochainement quand il fait très chaud. J'aime bien faire des randonnées plus courtes. Et là, eh bien, nous partons vers la droite avec pour objectif de rejoindre Mountain Waterfall qui se trouve sur la côte ouest de Koh Samui avec en point d'orgue la petite baignade dans cette cascade. On va en profiter pour vous dire s'il y a de l'eau actuellement ou pas. Allez, là je vais rentrer le téléphone parce que comme vous voyez, ça monte et je vais papoter avec mes copines Thai, Kan, Pou sont là. On va papoter. Hein. On était en train de parler bouddhisme avec Pou. Donc je vais me rapprocher d'elle parce que c'est souvent très très intéressant de discuter avec quelqu'un qui s'y connaît. Allez, j'en profite pour vous montrer cette fleur tropicale. Trop beau. Alors ici, nous avons ce qu'on appelle des pommes d'eau. Allez. Oh, oui. Look. Sangnati, bye. Chey. Oh là là, c'est des pommes d'eau. Arainaka, shampoo, voilà, shampoo, les pommes d'eau. Oh, regardez comme elles sont belles. Shampoo after the yellow, the red and the fall down, nobody eating. Voilà, donc elle dit qu'elles sont, une fois qu'elles deviennent rouges, elles vont tomber et plus personne ne pourra les manger, donc ne pourra plus les commercialiser. Sous-entendant, j'ai le droit de les prendre. Voilà, ça veut dire ça. So much, nobody eat, nobody coming. Do you like it, Araimai? Arai ka. Arai. If you buy on the market, maybe. 60 or 80 baht for 1 kilo. Elle dit que sur le marché, ça coûte entre 60 et 70 baht. C'est-à-dire 2-3 euros. Very, 2 very euros. Sweet now on the fresh out from the tree. Elle dit qu'il y a beaucoup de jus, que c'est le moment idéal. I will take one. Thank you. Yeah. One or two days, on attend un jour ou deux sur la table après les avoir pris de après les avoir enlevés de l'arbre et après deux jours ça sera plus doux et ça sera plus juteux. Kaponka. D'habitude on part vers la gauche pour aller faire la randonnée autour du radar, c'est-à-dire on va là en face la jolie vallée verte que vous voyez, et puis aujourd'hui c'est l'inverse. Aujourd'hui, on part tout droit. C'est très joli, une maison en bois. Et ça descend, mais on est beaucoup au soleil là. Donc avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui, je vous assure, ça pèse. Du gingembre ici à gauche. Ici, il y a de la citronnelle. Oh, ils sont tout petits. Combien tu en as? Fais-nous voir un petit bébé. 1, 2, 3, 4, 6, 6, ha. I don't see this one. Oh, no, it's leg. Oh, it's a little mimi. trop mimi. Ils sont tout jeunes, apparemment, ils sont nés cette nuit. Hein. Tout jeunes, tout petits. Il y en a un blanc. Ils sont pratiquement tous blancs, sauf un qui est un petit peu roux comme la maman. Il y en a un qui me fait des caresses au pied là. C'est peut-être le papa, je sais pas. En tout cas, je l'entends ronronner. Fais-nous écouter ton ronron. La ronron thérapie, vous connaissez. Là, je vous fais écouter les bruits de la forêt profonde.
forêt tropicale ou jungle, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. J'avais dit que j'allais vous parler de suggestions de visite quand vous êtes à Koh Samui. Alors en fait, quand j'ai des amis à la maison et que ce sont des gens qui ont envie d'explorer et pas uniquement se poser sur la plage, même si ça fait toujours partie des petites excursions, des petits tours que je leur propose, eh bien je considère qu'il y a deux excursions majeures à réaliser dans le sud. Une qui sera plutôt orientée vers le sud-est de l'île, et une autre qui sera plus orientée vers le sud-sud de l'île. Du côté du village des pêcheurs de Huatanon, avec un premier passage dans le marché aux poissons de Huatanon, puis dans le village, un petit passage devant la mosquée, un passage également plus ou moins long sur la plage, puisque là vous avez tous les bateaux de pêcheurs qui sont là, les pêcheurs en train de réparer leurs filets ou en train de dormir. Donc voilà, pour moi ça c'est déjà une petite visite à laquelle vous pouvez adjoindre la visite du Wat Saket. Le Wat Saket c'est un temple qui fait pas partie des circuits touristiques évidemment. Je dis évidemment parce que moi tout ce que je recommande c'est en dehors des circuits touristiques. Et ce qu'il y a de particulier à ce Wat Saket, c'est en dehors du fait que ce soit un temple un peu plus classique, déjà observer les urnes funéraires qui sont le long du temple à l'entrée. Et puis d'autre part, à gauche du temple principal, il y a comme une petite chapelle qui est flanquée de deux monstres guerriers qui protègent comme l'entrée du temple pour la filtrer, je ne sais pas. Mon imaginaire est parti comme ça. Et à l'intérieur, vous avez une centaine de statues de Bouddha de formes plus ou moins différentes. Et sincèrement, quand vous entrez là, vous avez l'impression que le lieu est occupé. C'est vraiment un endroit que je recommande. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'y passer 3 heures. Hein. Je ne vous dis pas que vous allez visiter les temples de manière précise, mais simplement faire un tour, voir l'ambiance et puis visiter cette petite chapelle. Voilà, pour moi, ça c'est une idée de balade dans le sud-est. Vous terminez par une petite baignade du côté de Bangkao ou un petit peu plus à côté. Voilà, ça c'est une première suggestion. D'ailleurs, dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires si vous aimeriez que je fasse une paire de vidéos sur des suggestions de petits itinéraires comme ça que je recommande. Le deuxième itinéraire serait pour faire le sud-sud de l'île avec notamment la visite de la Ramorie de Koh Samui pour en savoir plus sur le rhum agricole réalisé avec le sucre de canne ou celui réalisé avec la mélasse. J'en profite pour vous montrer l'arbre gigantesque qui est au-dessus de nous. Donc je parlais de la romerie. Ensuite, je vous propose d'aller découvrir les EVA. Il y a beaucoup de EVA. On voit également les presses qui servent à aplanir le caoutchouc. Et puis ensuite, aller visiter les 3 parties du temple de Lamsor. Lamsor, il y a la partie pagode, il y a la partie du moine momifié embarqué sur un bateau, il y a un peu plus haut la partie du monastère avec un bateau et tout un tas de statues disséminées dans leur parc et le temple. Voilà, ça c'est les deux parties du bas. Et la troisième partie, elle est sur la hauteur avec un Bouddha couché blanc. Taka. Et donc sur les hauteurs, vous avez le Bouddha couché, le Bouddha blanc, qui est vraiment superbe. Vous avez une vue panoramique sur les îles du Sud à partir de cet endroit-là. Et tout un tas de statues, de sculptures également à découvrir. Et ensuite, vous terminez par un déjeuner au restaurant que j'ai présenté dans la vidéo qui s'affiche ici, qui est pour moi un lieu paisible, serein. Voilà, c'est super chouette. Et cette deuxième excursion, je vous conseille de la terminer ou de la couper par une petite baignade pas loin de Lamsor,
en dehors du temple, bien sûr, d'une part parce qu'il y a des rochers, et d'autre part parce que ben, on ne va pas se mettre en maillot dans un temple, évidemment. Simplement, munissez-vous d'un pareo, et ça sera très bien. Ici, ce sont des patates douces. Mes copines Thaï me disaient que quand elles étaient petites, elles aimaient manger des patates douces. Une superbe vue là sur la baie de Talingnam et Lipanoy, vraiment superbe, alors que nous traversons un berger de durian, un berger immense. Alors là ça l'est plus, mais un peu plus haut c'était super bien entretenu, coupé de frais, etc. Alors je demandais à Cannes pourquoi on coupait l'herbe comme ça, alors que chez nous en France on aurait plutôt tendance à dire qu'on laisse les feuilles pour apporter un compost naturel et un peu de fraîcheur au pied des arbres. Et bien elle me disait qu'ici c'était l'inverse. Le durian a besoin de beaucoup d'eau et malheureusement de traitement. Et pour cela, tiens, une petite parenthèse, pardon, je reprends juste après pour vous montrer cet arbuste qui fleurit, qui est très joli. Donc je disais, et pour cela, pour obtenir du soleil et de l'eau, eh bien il faut dégager complètement le pied des arbres de manière à ce qu'il n'y ait pas d'impuretés qui rentrent en contact avec les racines des durians. Voilà, donc ici c'est l'inverse, normalement on coupe l'herbe. Bon, je vous ai pas montré le bon endroit pour en parler, mais allez, voilà, j'étais en train de vous montrer les fruits du dragon qui ont poussé sur cet énorme palmier. Alors celui-là, c'est pareil. Ah, il y a même une buse apparemment. Ah, oh, une jolie buse, ouais. Et là, les fruits du dragon qui s'accrochent sur ce tronc. Et je disais à Tom tout à l'heure, ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette rando. Il me dit on l'a faite pourtant il n'y a pas très longtemps. Alors j'imagine que soit c'était pendant mon séjour en France, soit c'était quelquefois le dimanche, c'est le jour où j'ai des arrivées ou des départs de ma villa. Donc ces jours-là, ben, je suis punie. J'adore accueillir mes hôtes, mais j'avoue que la randonnée, ça me manque vite. A tree is cut. Another one, yeah. Elle me montre cet arbre qui est mort et qui sert finalement de tuteur à un autre arbre qui s'est greffé à son tronc. Ouais, c'est comme ça. On continue à s'extasier. Ça c'est un goyavier. Je sais pas si vous les voyez là-haut. Alors je vais passer dessous. Là, voilà, les voilà. Oh, where do you go? Yeah. C'est Pou qui est en train de grimper à l'arbre. Shampoo. This shampoo is a lot of fiber. Fiber? Uh-huh. Yes. Oh, there is one on the doctor recommend. There is one on the floor. Yeah. Yeah, you can eat that here. Is it ready to eat? Yes, this is ready to eat. You can eat the outside. Ah oui. I will try. Voilà. Goyave. Ici, les agriculteurs ont organisé des points d'eau, des retenues d'eau pluviales avec un système de pompe pour irriguer les vergers. C'est vraiment très intelligent. Je disais c'est très intelligent parce que dans un pays tropical où il y a très peu d'eau, où il peut y avoir 6 mois sans une goutte d'eau de pluie, eh bien il faut bien irriguer les vergers, il faut bien ne serait-ce que d'avoir de l'eau pour les plantations, c'est sûr. Là, on est autour d'un poivrier. Vous voyez, il y en a plein. Plein, plein, plein. Cannes vient de nous expliquer qu'en fait, ici, vous avez un durian sur l'avant et un autre arbre ben, qui vit sa vie, qui héberge des plantes. Voilà, il est habité, c'est un tuteur pour d'autres plantes. Et en fait, il a des racines énormes. Et en fait, il prend toute l'énergie du durian qui est à côté. C'est pourquoi ils sont obligés de le traiter. Voilà. Avec des produits magiques. Voilà, il y a un énorme travail d'entretien et d'irrigation qui est en train d'être aménagé. On voit bien que les agriculteurs se préoccupent de ces problèmes d'aridité des saisons chaudes, qui sont de plus en plus longues ici aussi, hein, des règlements climatiques, on y a droit aussi.
On a droit à des orages, à des périodes où on s'y attend pas, mais on a aussi des périodes de sécheresse beaucoup plus longues. Et là, vous voyez, tout est prévu pour donner à la nature de quoi être irriguée, y compris dans les périodes très sèches. Et pour ceux qui n'auraient pas remarqué, de part et d'autre, à gauche, à droite, ce sont des poivriers. Encore une retenue d'eau, avec une petite passerelle en bambou ici. Il y a encore de l'eau, mais pas énormément quand même. C'est une chouette balade là, parce qu'on traverse à plusieurs moments la jungle, avec des arbres immenses. Le troisième itinéraire que je pourrais proposer, c'est celui qui monte par la route principale à la hauteur de Mitsubishi. Une petite étape au Watkao Tom, Watkao quelque chose. Et ensuite, aller visiter le Magic Garden et se balader un peu sur les hauteurs autour des montagnes de Koh Samui. Pour celle-ci, j'ai une vidéo qui est ou prête ou qui va pas tarder à l'être. Si, j'ai plein de trucs à vous montrer. D'abord, cet arbre-là. Un arbre centenaire. Voilà. Tout le centre de l'île de Koh Samui était composé de ces arbres centenaires. Et malheureusement, bon, alors, ils sont un peu vieux, ils commencent à mourir, et puis les agriculteurs se disent qu'ils pourraient exploiter cet endroit-là pour faire du durian, qui se commercialise bien. Donc ben, malheureusement, là, on est sur un territoire où ils les ont tous coupés. Devant, on a un malako. Malako, c'est le papayer, ici. Devant, on a des saparotes, des ananas. Et en passant, j'ai ramassé des fruits que l'on trouve également apparemment en Nissan. Et voilà, mes copines ne savaient pas me dire si on pouvait les manger. Mais regardez à l'intérieur. Mais regardez à l'intérieur, on dirait de la barbe à papa. Voilà, je sais pas si je vais oser goûter. Si, je pense que je vais essayer. C'est bizarre comme fruit. J'ai rencontré un agriculteur et je lui ai montré pour lui demander si on pouvait le manger. Et il m'a dit non, non, non. Bon, eh bien, poubelle. La difficulté de cette rando, pour l'instant, ça va. C'est le retour, en fait, qui est terrible. Après la baignade dans la cascade Mountain Waterfall, eh bien, il va falloir remonter. Ça va être terrible. Bon, là, on descend et on est dans l'ombre, donc c'est plutôt cool. Là, ce sont des fruits du dragon. Ils utilisent le moindre espace pour faire pousser quelque chose. C'est super. Et ouais, tout ça, c'est un fruit du dragon. Énorme. Alors effectivement, ils ont fait un petit aménagement supplémentaire maintenant ici. Avec un bar, je sais pas trop quoi. Et voilà, on va aller se baigner dans cette cascade de la montagne. Alors avant, c'était désert. Bon, maintenant, ils ont fait ce petit aménagement qui cherchait bien sûr à rentabiliser. Mais bon, voilà, l'accès reste possible pour aller se baigner à Mountain Waterfall. Et comme vous le voyez, nous sommes le 17 mars et il y a encore de l'eau. Donc on va pouvoir se baigner. Trop cool! Kim Kun Fu se prépare, moi aussi je vais me déshabiller et me baigner. Une petite baignade rafraîchissante, ça va être cool. Pendant que le boss réfléchit à l'itinéraire, déguste sa boisson Schweppes, je sais pas quoi, au citron je crois. Mais aujourd'hui il y a un tout petit peu moins d'eau que d'habitude, hein. Bien sûr on est à la saison sèche, alors je sais plus me propulser un petit peu au centre de cette cascade, ça me permet de vous faire un 360 degrés. Et là, ben, savourer une bière fraîche comme le fait Steve, ou se poser comme le font Can, Tom, Fou. Voilà, on peut se baigner et puis se rafraîchir à ce petit bar au milieu de la jungle. Se baigner dans cette partie, on dirait un jardin japonais. C'est là où je viens de me baigner à l'instant. Oh, que c'est bon.
Alors l'eau est un petit peu fraîche par rapport à ce qu'on connaît d'habitude. Mais bon, c'est génial. Voilà, ça c'est une cascade tout à fait accessible. Après, elle descend violemment en cascade plus bas. Hein. D'ailleurs, c'est une balade sympa à faire si vous êtes un peu explorateur. C'est une allée comme ça dont je vous parle régulièrement. J'aimerais arriver à faire ça chez moi. En le faisant pousser petit à petit, en achetant une plante chez le pépiniériste, ça ne m'apporte rien d'acheter chez le pépiniériste. Moi, ce que je veux, c'est voir pousser les plantes que je récolte à droite à gauche, que je plante moi-même, etc. Voilà, ça ferait joli, je trouve. Donc là, on est reparti de la cascade et c'est une longue montée d'environ un dénivelé d'environ 250 mètres qui nous attend. Dans ce secteur, les agriculteurs cultivent du café. Voilà, on a des caféiers un petit peu tout autour de nous, là, en bordure de route. Ensuite, lorsque les fruits sont mûrs, ils vont les ramasser, les égrainer et les mettre à sécher. Tout ça, ce sont des caféiers. Entre quelques durians, évidemment. Sawadika. Sawadika. On est reparti pour une nouvelle saison de durian. Là, les grappes telles que vous les voyez ici, eh bien, elles n'ont pas encore été éclaircies. Ça forme des grappes, mais petit à petit, ils vont en supprimer pour qu'il en reste peut-être un ou deux. Oui, je suis un peu essoufflée parce que ça grimpe. Voilà les premiers ananas de la saison. Les miens sont encore tout petits. Là, celui-là est déjà bien poussé. Là, il y en a un tout petit, mais vraiment tout petit. Il y a son frère, son cousin, un autre là-bas. Ah, ça commence à bien pousser là. Les miens, ils sont encore vraiment tout petits. Ouais, chez moi, ils sont tout juste comme ça. Ah, il y en a même un gros là-bas. Si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez la chanson. Je vous invite à l'exprimer au moyen d'un like et un petit commentaire me fera également plaisir. Je vous remercie de suivre mes vidéos. Bye bye!